chanter à l'Eurovision. Il chantera l'amour. Slimane représentera la France au plus grand concours musical du monde. Ce sera en Suède en 2024. Le chanteur interprétera son dernier titre dévoilé hier, Mon amour. Alors Slimane à l'Eurovision pour Stéphane Bern, que nos auditeurs connaissent bien sur Europe 1, et bien c'est le choix idéal. Je trouve que c'est un très bon choix, celui de Slimane. D'abord de l'annoncer tôt, d'autre part de prendre un artiste qui est en pleine carrière. C'est un peu le modèle suédois en quelque sorte. Quand Lorraine a gagné l'année dernière, elle était déjà une artiste connue en Suède. Je crois que ça va permettre aux Français de se mobiliser davantage. C'est un artiste absolument adorable. Ce qui est important pour l'Eurovision, c'est que c'est un événement festif qui est de l'envergure de la Coupe d'Europe de foot, si vous voulez. Donc il faut des artistes consensuels, qui font l'unanimité, qui ne prêtent pas le flanc à la polémique. Voilà, Stéphane Bern, que vous retrouvez sur Europe 1, 15h-16h. Pourquoi lui ? Bah oui, parce qu'il